2020, 30 septembre 1991, fait exactement 29 l'année depuis que l'armée a gagné un parti dans la bourgeoisie qui a appuyé les États-Unis, a fait un coup d'État contre Père Jean-Bertrand Aristide qui a gagné 7 mois depuis qu'il a élu, il a arrivé dans tête pays. Il a fait une première tentative coup d'État et en janvier, alors que le pot quoi installé, c'était Roger Lafontaine qui a tenté, mais le peuple a campé tout partout dans le pays, comme si c'était un seul monde pour contrer coup d'État. Ça, et il a abouti à arrestation pour Tissio, la Dani et Roger Lafontaine, bien entendu, était dans prison. Les coups d'État, ça a fait, et il a perdu la ville. Et dans l'occasion, ça. Et c'est général Raoul Cédras qui était en tête coup d'État avec Michel François. Mais général Raoul Cédras, en tant que malin, il est toujours caché pour ne pas jamais prendre responsabilité, comme si c'est lui-même qui chef et pas Zouissio. Mais personne ne pas trompé sur ça pendant 3 ans que l'armée était en tête un pays à côté de faire chouérave. Et dans ça qui concerne ressources pays, dans ça qui concerne démantibiler pays, dans ça qui concerne écraser institution à constitution pays. Parce que c'est ça qui fait audition résultat, nous gagnons la journée aujourd'hui. Problème haïtien, faut qu'on prenne dans plusieurs niveaux pour capable comprendre l'obsession lecture et cohérente par rapport à Jean Paya a plongé. Parce que période ça a mérité pour un bel éclairage qui fait souli, un bel balayage, une belle analyse en profondeur. Et pour une responsabilité, chaque secteur dans ça qui concerne yo. Dans ça qui concerne les coups d'État, et partisans, coup d'État, c'est toujours comme prétexte que le gouvernement ça, qui t'a fait criver, pas de expérience, qui t'a gagné en tête de Père Jean-Bertrand Aristide, qui t'a gagné seulement 37 ans, et qui n'a pas de travail dans l'État. Et c'est un vote populaire qui t'a porté le vini justement pour te couper fâché avec le régime Makoutio, qui t'a provoqué le peuple malgré. Et régime n'a été tombé, duvalierisme sans duvalier avec KNGP. D'ailleurs, qui était fini, première élection démocratique, un peuple en tape fait après, il était fini voté dans le référendum constitution 1987 là. Il était fini dans 100 peuples. Après ça, nous connaissons la mais a été fait une élection malheureusement. Et moun qui était participé là-dedans, c'est un monde en pile monde. Il y a un monde qui n'a pas très même dans la période là, qui vient apprendre même. On a parlé de professeur Maniga, mais qui c'était une grande valeur intellectuelle et pays. Mais nous connaissons tout, expérience ça, pas après elle durer trop longtemps, élection 88 là, puisque 3 mois seulement. Et après ça, Nanfi mettait avec Regala, il était capoté sous pouvoir. Et donc, nous passons en pile péripétie. Route ça, peuple haïtien dit, il prend pour mener dans la démocratie. C'est une route qui charge à Picacouena. C'est une route qui charge à toute qualité des affiches sur route peuple haïtien. En pile fois, se descendre, nous descendre au lieu de nous monter. Bien que il y ait quelques bons montées que nous fait. Mais il faut que nous ouais en pile et tête chargée, en pile trahison, et en pile d'appuyance. En pile, et papa tout d'un coup fait d'appui en tout sous le peuple haïtien. Et ça dans tout niveau, dans tout segment de la société haïtienne. Donc, là, nous arrivons côté nous, jeudi, là, nous faisons bac pour nous regarder. Eh bien, nous avons en pile responsabilité. Et nous sommes sortis très loin récemment, par exemple, soit pour un événement, ça a été passé 29 ans, près de 30 ans. Dans l'histoire, un peuple, ça ne pas veut dire rien. Bien que non, pour un individu, 30 ans sont un paquet de bagaille. Parce que c'est presque un tiers dans la vie où soit vivre 100 ans. Et c'est pas tout le monde qui a une chance pour être capable de vivre 100 ans. Et donc, et c'est extrêmement important. Et surtout, les gens qui engagent, qui sacrifient, et toute vie dans la bataille pour être capable de voir un changement avant de faire main. Et c'est une situation qui triste en pile. Et l'offre de monter là, 30 ans, ça fait qu'on fait 30 ans encore en vente pour le bas ou 60 dernières années dans la vie pays. Pour capable comprendre. L'offre essaye de décoder, pour capable bien comprendre toujours, il faut qu'on remonte plus loin encore, un paquet de tranches d'histoire, pour capable rétablir et vérité historique dans ça qui concerne situation ça côté pays a plongé. Au lieu que pays a mette dans hauteur et dans niveau histoire, et qu'elle écrit à grand H, qui pour un pays que vous fait cadeau indépendance dans condominium, mais un pays que ancêtres nous payé au prix fort et côté sans couler pour nous être capable river prendre bout de ça et mettre une histoire sous lit, mettre un peuple à un pays sous lit, et bien journée jeudi à nous passer dans la boue et pas seulement étrangers qui passer dans la boue,
C'est ça qui est dur, parce que nous avons de frères action nous qui mangent maïmon les mêmes gens avec nous, qui remet griot avec banane pesée, qui remet du riz avec poids, mais c'est même couleur regard avec nous, c'est même langue parler avec nous seulement, mais au logiciel dans le cerveau qui pas même avec nous. Et ça, il sorti depuis dans Jean, éducation, partie. C'est-à-dire, son histoire qui est longue et qui montre que nous avons là, mais ce n'est pas intérêt pays à la défendre. Et où est ça dans le comportement? Parce que si c'était intérêt pays à d'abord qui était dominé, ça veut dire intérêt tout le monde qui est dans le pays à tout ça qui compose le pays. Pays à c'est tout. Il y a des gens là-dedans et il y a des gens pays à fait. Il y a tout paysage, il y a toutes ressources, il y a des faunes, il y a des flores, il y a tout bagaille là-dedans qui fait de lui un pays. Et là que vous protégez, ça veut dire vous protégez un patrimoine, vous protégez une histoire et vous protégez un leadership. Mais je dis, ça y a crasé. Eh bien, 30 septembre, nous faisons un bac sous responsabilité aux institutions et l'armée d'Haïti dans le coup d'État que tu fais. Peu importe tentative d'explication, il n'y a rien capable de justifier ça que tu fait là, 29 à 30 septembre 1991. Que dit ces provocations et Père Jean-Bertrand Aristide à l'équipe ça que tu fait, qui veut sous pouvoir te faire, ça n'a pas justifier pour l'armée de faire ça que tu fait. Et nous, ouais, ça peut passer tout concernant institution ça, et pourtant qui est une institution centrale dans l'histoire pays d'Haïti, bien que le subit en pile évolution. Nous ne pouvons pas arrêter sur ça, ça est dossier spécialiste. Si nous avons pour nous parler de ça, nous avons choisi une autre occasion pour nous parler de ça. Mais il est important pour nous rappeler de ça, surtout jeunes qui partent là. Parce que partent là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait pour qu'on s'est passé. Parce qu'il y a un qui monde qui était là, les toutes bagailles étaient passées. C'est responsabilité pour chercher, connaître, où est-ce que dit la jeunesse pas innocent. Nous avons professeur Wessner Emmanuel, professeur histoire, ancien sénateur. Et nan micro Beethoven François Fils qui a retourné sous événement ça yo côté 100 peuple haïtien te coulé en toi 5000 moun mouri et parmi eux de personnalités politiques tant que pasteur Silvio et Claude yo assassiné dans ville Okai et gagné capitaine Fritz Pierre Louis qui est assassiné dans palais national et puis gagné tout Roger Lafontaine qui assassiné tout et dans prison et n'attendé professeur Wester Emmanuel nan micro Beethoven François Fils. Ou m'a dit d'intervenir sur un événement douloureux pour le peuple haïtien, pour Haïti tout, un coup d'État 30 septembre. Ça me dit qu'à ouais, là, parler de coup d'État 30 septembre, non. Chaque citoyen vive l'inconscient, surtout à travers les institutions. Moi-même, par exemple, moi, j'étais dans le Sénat, moi, ouais, tout acte posé pour mener un coup d'État. Nous faisons ensemble d'interventions, me rappeler. Non, même si c'est un coup d'État, d'ailleurs, premier bail qui vient dans la tête, qui vient dans l'oreille, je suis entré dans le Sénat, il y a un questeur, puis deux sénateurs qui parlent de ça, et moi, des salariés là, qui étaient nous seuls, nous ne pas tant pis. État-major, et que pour un coup d'État. Ensuite, qu'on y a Mabdo, expérience presse, ça fait que chaque monde vit le 7 septembre 11 et son événement macabre dans l'histoire, nous, qui ça a été capable de tirer comme leçon après tout ça, nous connaissons, 29 bon, années après. Bon, 29 années après, je ne vais pas le dire. Je vais vous poser une question que ça pourrait être là. Bon, moi, je ne vais pas oublier mon professeur d'histoire. Depuis 1503, premier nègre vini. Il a débarqué les premiers esclaves. Les premiers esclaves, ça a pris mon couille. Il y a les deux cassiques en rire dans la bataille là. Cassiques en rire la victoire. Espagne reconnaît comme cassique. Et notre premier traité, il signe, il dit, nègre de Goumen. Bon, il n'est pas dans le traité, il n'est pas dans le bataille. Mais c'était une trahison
c'est un acte de trahison de la part de Kassik Henry, quand qu'on son, ouais, son, tout ça, pour exclusion ça, rejet ça, pour marquer l'histoire du peuple haïtien, surtout en Afrique. Premier bagage qui est pour faire là, c'est nous-mêmes. Chaque grain haïtien, il faut le changer. Chaque grain haïtien changer, changer dans quel sens? Changer dans le sens de l'intérêt collectif. Changer, faut changer. Faut peut penser à intérêt collectif, à intérêt national, à dire à histoire nous, à dire à dignité nous, son pays, et nous bien pour quitter héritage ça pour nous venir, pour les jeunes, pour nous marcher, faire respecter nous. Nous avons droit à ça, Haïti qui nous a ça. Voilà, professeur Emmanuel, qui était parlementaire, et faut que nous disions parlement, tout, direction parlement, et parlementaire qui était pro coup d'État, il y a une responsabilité par tout, dans ce qui passé. Secteur économique qui était appuyé coup d'État, il y a une responsabilité par. Diplomatie américaine qui était appuyé, il y a une responsabilité par. Mais tout gouvernement qui était fait vini, qui était à peine à découvrir ça aurait l'État, lui-même, il était gon naïveté tout, la façon que il était abordé question yo, et il y a responsabilité par, et surtout par la suite avec l'évolution qui vient gain. Et nous espérons que l'historien a penché et sous période ça, qui c'est une période qui chargée avec enseignement dans ça qui concernait et difficulté pour instaurer système démocratique là en Haïti. On vini ak actualité a ces décisions Jovenel Moïse prend et côté il méprisé même allié qui puis proche qui mandé pour ta rentrer arrêter ça qui pas respecter rien dans constitution mais ça veut dire tout il dit pas dans constitution. Et directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, dénonce menace juge la Cour de cassation à recevoir depuis après échec prestation serment membre conseil électoral provisoire Jovenel Moïse. Nous interviewons le Radio Kiskeya, directeur exécutif NDDH, M. Espérance, Ron, secrétaire général et primature, responsable menace juge cassation à recevoir. Et il dénonce KEP Dermalog Jovenel Moïse, non, il dit qu'il est illégal. N'attendez dans micro que tient Jean-Pierre Tello. Nous au courant, gagne des juges et dans cour cassation qui recevoir en pile menace parmi eux juge Wendell Kok. Nous t'ai parlé avec juge là. Juge là t'ai commencé recevoir menace après Jules Charles Faustin qui c'est conseiller spécial président. Et c'est lui-même tout qui est secrétaire général primature. Il te fait une menace et contre Jijo, côté que il dit est président capable et révoquer Jijo, capable de voir Jijo aller. Il te prend exemple ça qui t'est passé en 2006 et là tu as un problème et entre cour cassation avec le conseil électoral provisoire qui était là et là ça et gagné président et Boniface qui t'ai voyé quelques juges à la retraite juges qui t'ai gagné l'âge pour aller et qui t'ai gagné l'âge pour prendre retraite ça montrait que qui Jean exécutif là pas respecté pouvoir et judiciaire et journée jodi a n'a fait face avec un pouvoir et totalitaire côté que exécutif là li fait tout ça qu'on connaît pour lui rendre institution yo et pas fonctionnel côté que li affaibli yo et jodi a pas gen pouvoir exécutif le fait que cour cassation pas accepté et prestation serment et membre et CP illégal ça qui remettait campé a et ben et yo a fait menace sous et juge dans cour cassation gen plusieurs associations magistrats et journée jodia et qui toujours est là pour surveiller sous fonctionnement et magistrat yo et les gain des gros problèmes nan au niveau système judiciaire yo toujours prend et position comme CSPJ c'est lui même qui organe et pouvoir et judiciaire nan une situation pareille. Et CSPJ a doué chita avec magistrat
et Chita avec juge dans la Cour cassation qui est sous pression avec menace et laisse ça pour prendre une position. Donc c'est mais ça fait plusieurs jours silence ça bon côté CSPJ qui gens nous-mêmes nous interpréter dans RNDDH. Bon, et nous pensons que journée aujourd'hui hein, la justice haïtienne ça nous est constaté l'instrumentaliser et c'est CSPJ qui organe pouvoir judiciaire. CSPJ a doué proactif, yo doué là pour yo et réagir pour prendre position et pour et prendre position les et gagnon monde dans appareil judiciaire qui est en difficulté. Donc c'est pouvoir et exécutif là qui fait tout ça qu'on est pour gagner contrôle et pouvoir et judiciaire et donc CSPJ a li pas capable et rester comme ça pour pas dire rien et les magistrats en difficulté li important pour être capable yo même tout yo prend position et dans sens ça ouais chef gouvernement li et même j'ai avec président les Jovenel Moïse a parlé de Joseph Jout li dit gouvernement li a baissé CP a tout moyen qui nécessaire pour faire travail comme ça doit qui avenir CP ça. Bon, et tout d'abord, faut que moi dit tout, même si CEPA était prêté serment et CEPA son CEP illégal et qui montait en dehors et la loi en dehors tout consensus et politique. Élection. Et c'est parti politique yo d'abord. C'est et société a et donc CEPA li pas sorti dans un consensus. Parti politique yo pas d'accord. Société et organisation dans la société a pas d'accord. Donc CEP ça pas privé aucun côté. Donc moun yo qui entre dans ça, yo accepté violer constitution, yo vle al faire élection sous 100 population. N'a mandé moun yo tout que yo nommé dans CEP a, faut que yo même yo gagne ça relé la tolérance. On société levé camper contre nous. Kounya c'est pas parce que moun a critiqué nous pour yo di nan sa nou antre al pa bon pour yo y a parce qu'il a critiqué et arrêté qui mette CEP ça à camper et puis kounye la moun ya on ya cléoné pour yo dou comme ça que y a ba gros menace y a ba gros intimidation yon bagay ki pa bon pour une société. Société a doué lever camper, faut que li lever camper, li barre ou route à plan machiavélique que pouvoir ça gagner et avec arrêté ça qui reprend pour mettre un CEP en dehors la loi. Voilà, directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, toujours dossier conseil électoral provisoire Jovenel Moïse, dans coordonnateur national parti Union, Clarence Renoir, dénoncé façon président monté conseil électoral, ça sans aucun consensus entre acteurs. Selon ancien candidat à la présidence, non, et conditions pas réunies pour une élection organisée dans le climat et sécurité, ça. C'est ça le dit dans l'interview de Radio Kiskeya, il mandé président Jovenel Moïse rentrer purement et simplement et arrêter qu'il nomme même conseil électoral ça parce que il dit mon n'est pas capable réaliser élection dans pays. Coordonnateur national parti Union fait un plaidoyer en faveur un vrai dialogue entre pouvoir et différents secteurs dans la vie nationale là pour capable joindre un accord politique qui vous mettez sous pied un conseil électoral cap sorti dans consensus cap gagner mission pour organiser élection. N'attendez dirigeant politique Clarence Renoir qui t'est parlé comme ça dans micro Vinner Joseph. Nous même dans l'Union, nous croyons que pas qu'à gagner élection démocratique. On bien dit élection démocratique dans condition ça, la condition côté où par un CEP crédible avec des institutions tant pour l'Église catholique, tant pour l'université qui t'a représenté en Italie, tant pour la presse. Et deuxièmement, où pas qu'à gagner élection crédible et inclusive dans le contexte d'insécurité, côté gagner gang qui a fait toutes des autres dans le pays. Donc nous déjà connaissons que l'Union n'a pas participé dans l'élection comme ça, dans condition ça. Donc c'est peut-être ça. Nous-mêmes, par rapport au conseil électoral qui est là, nous pensons que le conseil électoral n'est pas capable de faire élection parce que il fait en dehors la loi, en dehors de la Constitution et en dehors de la capitale, je veux dire que le pays a besoin, un consensus politique, un accord politique
parce que si pour élection crédible, si pour démocratique, faut inclusive tout. La cour dit que il y a une division entre eux, il y a un firme pour eux, mais il y a des gens qui sont très critiques par rapport avec le juge à la cour de cassation, il n'y a pas de pour pratiquer politique marronnage, c'est statué pour statuer carité, puisque il y a un pile d'organisation, la Fédération des barreaux qui écrit, qui mandé, et la cour vous le bâille serment avec mon conseil, puisque mission, il y a une mission qui fait référendum sous constitution et inconstitutionnel. La trentaine de conseils électoraux provisoires, nous passons déjà, tout est toujours prêté serment. Si ça n'a pas prêté serment, si mon problème, c'est que il y a une crise politique dans le pays qui fait cette situation s'arriver. Mais même en attendant que la Cour a prononcé effectivement, que les dirigeants quorum, les d'accord ou bien pas d'accord, moi, je pense que le problème à question CEP, ça, c'est d'abord politique. Il faut que le président tende avec sagesse pour le rentrer au conseil électoral, ça, pour former un conseil électoral qui est capable de rejoindre adhésion toute cette. Secteur politique, yo. Et même dans des partis politiques qui sont proches pouvoir, et partis même qui sont au pouvoir, en l'occurrence PHTK, ils ne sont pas d'accord. Je conseille la première. Donc, je pense que et la décision de faire, c'est pour le président Campé soit arrêter ça, entrer dans le dialogue avec tout le monde pour que, et concernant le conseil électoral là, et concernant la constitution, qui sont leurs questions. D'accord, problématique encore dans le pays, il y a un consensus large. Vous pensez que le consensus est possible entre président avec acteur? Je me dis oui, mais pas penser que naïf, je me dis oui comme ça. Parce que nous, fondamentalement, nous avons uni que pas qu'il y ait une solution politique à la crise qui est dans le pays là, sans pas qu'il y ait un accord politique, sans pas qu'il y ait un dialogue qui fait entre tout acteur. Je ne parle pas de l'acteur politique, je ne parle pas de l'acteur moral, acteur socio-professionnel, l'acteur économique. Yo. Pas qu'il y ait une solution dans la violence. Donc, nous-mêmes, dans l'Union, nous condamnons toute voie qui a passé par la violence, par vos corrects, pour aller chercher les autres crises-là. Crise-là, la résoudre de manière consensuelle, dans le dialogue entre Haïtiens, pour chercher à jouer une solution à problème que nous gagnons, nous identifier problème là. Mais solution, yo, c'est nous-mêmes, Haïtiens, pour porter ensemble, quel que soit parti politique nous sortir là-dedans, mais penser que nous sommes capables de chita en face, là, pour nous discuter, pour nous proposer des solutions qui est capable durable, mais toute solution qui a passé par la violence au groupe ONF n'est pas des solutions durables, n'est pas des solutions démocratiques. Voilà, dirigeant Union, Karine Jonoir, dans micro, Vilner Joseph, concernant le conseil électoral provisoire. Ça, Mambo Evoni, Georges Auguste, pas caché, tête chargée, par rapport à la situation politique qui a détérioré dans le pays pendant les derniers jours. Et selon dirigeante KNVA, dans le cas où Haïti trouvé le jour et jour, il n'est pas capable de descendre plus bas. Dans l'interview de Radio Kiskeya, Mme Auguste, Georges Auguste, demandé acteurs mettre intérêt personnel sous côté et puis prend route dialogue pour éviter pays à continuer dans crise. Mambo Evoni Georges Auguste fait connait chaque fois yo rencontré avec président Jovenel Moïse yo toujours encouragé pour prendre route dialogue à tout secteur dans pays à sous situation difficile yo et pour capable joindre une solution qui sorti dans consensus. N'attend des dirigeants de KNVA, Mambo Evoni Georges Auguste, toujours dans le micro Vilner Joseph. Il a été arrivé dans le dernier bout là. Parce que il n'y a pas le plus loin, il n'y a pas le plus bas. Fait pas en arrière encore. Et dans le gouffre là, il a tombé et puis pas de retour. Haïti est arrivé en côté. Tout petit peu doué à poser cette question qui ça nous fait à ces ancêtres. Parce que l'institution disparaît, pas de rien. Actuellement là, nous vivons une situation de un président qui a dirigé par décret. Parce que justement, le dysfonctionnement égal. Je dis moi-même, moi, quoi. Que pour mettre ensemble pour nous, surtout accepter Chita ensemble pour nous parler. Parce que moi-même, toujours dit ça à n'importe ça que nous parler. Opposition, normalement, penchant pas, c'est vers lui-même, puisque ma jambe, l'autre bagaille, que yon membre famille là-bas. Là. Mais nous gagnons pour nous penser pays, penser jeunesse là, penser famille, capturer Dieu, et puis pour nous garder qui côté nous camine pays. Et seul Jean nous a fait ça, c'est dans Chita, parler ensemble, coûter yon. Il n'y a pas ça, moi-même toujours dit, nous avons longtemps, depuis 86, nous avons dit, un dialogue nécessaire, nous avons
continuer à dire à qui veut l'entendre, dialogue là, il est inévitable. D'autres font panorama de situation politique là, mais il y a un point, c'est que je veux dire à cet exécutif-là, et président Jovenel Moïse qui gagne comme élu avec 10 sénateurs presque pas à prendre en compte. Il y a une démarche pour mettre un CEP sous pied, mais CEP a bloqué à partir de prestation de serment à la Cour de cassation. Qui ça a fait là pour capable arriver et sauver ça capable de sauver? Là, nous chita président, parce que lui, qu'on demande nous chita à gain de fois. Nous toujours dit ça. Tout essayer, président République là, nous toujours demandé ça. Essayer le la décision, consulter le plus de monde possible. Parce que consensus là, puisque là, nous avons constitution, nous avons une constitution pays en bas qui constitution. Parce que les gens ont réglé l'affaire, c'est 87 là qui bon pour eux. Ils viennent avec 87. Si c'est amendé à bon pour eux, ils viennent avec. Et constitution lui-même, il n'a pas reflété réellement vécu nous. Faut que nous ça pour nous avoir une nouvelle constitution. Toutes ces détails que nous devons, ouais. Ça mais fait partie des missions qui arrivent, ça. Nous, ouais, tout que, ils vont parler en pile autour de missions que vous mettez dans papier ou mettez dans le papier. J'avais une réaction, ça ne va plus trop. Pas aucune contestation au niveau du secteur vaudois par rapport avec le représentant nous vient dans CPA. C'est plus une certaine presse qui a cap dit des bagailles de damnant, mais ce n'est pas un monde vraiment que vous connaissez. Égal nous-mêmes, c'est un choix démocratique qui est campé dans le média. Son choix démocratique, que ce n'est pas un grain de monde qui prend décision dans le KNDA, c'est l'Assemblée nous fait le pour une bonne décision. Représentants nationaux et internationaux qui étaient discutés les présidents écrits nous, nous voyons le monde pas noir et noir. Voilà, c'est Madame Evonie Georges Auguste Mambo et une dirigeante KNVA qui t'a parlé comme ça dans micro Vilner Joseph. N'a pas pour nous tourner sous situation politique pays mais n'a fait premier coup de pied de couner là dans actualité internationale là qu'a peine dans pays États-Unis évidemment après premier débat entre Joe Biden et Donald Trump hier soir dans Cleveland dans état Ohio et première rencontre entre deux messieurs fait du feu et c'est ça toute la presse américaine dans titre journée jeudi hein. Donald Trump à Joe Biden eh bien débat transformé li tourner une bataille catch, pas même une bataille box. Et yon a voyé sous l'autre, d'après ça, puis Fola de Yodi, et yon joué l'autre, et yon empêché l'autre parler, mais plus et président Trump et que Biden, et côté pas de place pour te présenter programme yo. Washington Post pas hésité pour qualifier premier débat ça de pire mauvais débat présidentiel dans mémoire de journaliste Jean Mouen dans pays États-Unis. Pour lui-même, c'est même un dérespectant, il fait peuple américain. D'après sa journal là écrit, il dit c'est un exemple qui triste dans ça qui concernait dans qui état démocratie américaine dans hier journée jeudi à 5 semaines avant élection. Ça c'est journal Capital là, Colorado Springs Gazette pensait que débat ça monde qui fanatique et je vais te les catch là, yo do content et Wall Street Journal bon côté parle li noter que catch yo moun ki professionnel dans secteur ça li di yo pi présidentiel que deux candidats ça façon pour dou la presse américaine nan mauvais et nous penser que plusieurs millions américains et après 30 minutes te fermé télévision yo y a pas de suivre débat encore nous même si c'est pas de travail nous t'a fait en tant que journaliste tout t'a fermé télévision pas nous tout ne pas t'a suivre d'après ça journaliste non écrit personne monde pas gagné et d'après ça yon l'autre écrit toujours dans article Wall Street Journal là il fait connaître gain yon erreur stratégique Donald Trump fait l'elle te voulait paraître plus fort et que Joe Biden et comme ça li interrompt monsieur Trump ancien vice-président l'empêche le parler et li quitter le temps et pour pas faire gaffe yo. Gaffe yo, parce que t'attend gaffe dans Biden et ben il pas quitter le temps pour te faire gaffe yo. Et Wall Street Journal estimé journal là très critique par rapport à Joe Biden particulièrement c'est journal des affaires Wall Street et un candidat
qui dit que li vle pour le rassembler, et mais qui traitait Trump de raciste, de clown, et gon côté li dit monsieur son pantin, et Vladimir Poutine nié, mais Trump tout pas mettre dedans dans bouche, pas de bail Trump dit tout non. Trump dit comme ça son vieille non vieille université dans de là il étudier qui c'est plus mauvaise université gain aux États-Unis, et puis monsieur c'était plus mauvais étudiant que gain dans université a, il parti à bord petite ni. Donc en pile bataille, en pile bagaille qui pas mérité dit dans niveau débat ça. Et donc on côté rivé Joe Biden mauvais, et puis il dit Trump la ferme quoi français qu'on dit ferme un bouchou et mettez paix sous bouchou. Et alors c'est toujours Wall Street Journal qui a parlé, oui, il dit Biden riverait ici paraître cohérent pendant 90 minutes ça yo, mais attente qui te gagné pour Biden, toujours Wall Street Journal qui très critique hein contre Biden, t'es très faible. Et d'après ça quotidien dit, alors que gon l'autre article, on l'autre analyse qui dit que au contraire te gagné en pile et bon qui te gagné pour te perdu hier soir c'était Biden. Parce que c'est lui-même qui pas paraît tellement à cause de COVID-19 de flan. Et il est devant une bête de télévision, Yorele Donald Trump, qui maîtrisait les questions audiovisuelles là. Et monsieur, il était pensé que monsieur t'a perdu. Au contraire, monsieur résistait devant ouragan Yorele Trump là. Mais ce n'est pas lecture Wall Street Journal. Et Trump, il te fait le faveur. Et pour te remettre en question capacité mentale. C'est ça, Wall Street Journal dit. Donc, on a analysé raison article ça. Pour Washington Post, tout lui dit Biden dépassé attente qui te gagné dans lui. Mais sans que lui dit pas briller pour autant. Et personne pas gagné selon Washington Post, ça que le qualifier de véritable fiasco. Et même journaliste modérateur qui c'est un journaliste et très aimé dans pays États-Unis Chris Wallace et il perd du contrôle débat d'après The Atlantic dans un article par exemple et Wallace et pas suffisamment rivé et kembe l'ordre dans débat même si techniquement il dit c'est impossible il pas de moyen pour te couper micro yo mais faut que d'avance il te dit que le pas aller vérifier information qui ba yo bon faut nous dit trop ba en pile menti hier il y a des journalistes qui spécialisés dans ça pendant la parler à vérifier je n'ai pas en pile menti bien que Biden bail quelque tout mais c'est surtout trop qui remportait la victoire il dit de bagarre qui passe il y a des journalistes pareils de confrères qui reprochaient journalistes de te redresser de bagarre évidemment et qui faut et que Trump te dit pendant débat mais gain Jean débat tout architecture dit c'est 2 minutes candidat gain pour prononcer sur chaque et sujet et puis après ça pour faire interaction. Donc il est pas toujours des moyens et pour te montrer que c'est lui-même qui était chef plateau d'après ça l'autre confrère reprochait mais lui-même il était déjà fait connaître que le pas un chef et ça journaliste t'a dit. Donc pour média ça, il est difficile pour imaginer qui impact de l'autre débat qui va faire même j'ai pour le gagner entre vice-président avec un autre débat entre deux candidats pour place président yo. Et si c'est pas plus tension qui va monter dans pays là un pays qui déjà sous les nerfs. Et puis New York Times dit dans analyse di fait de débat, li attaquer surtout une question qui était posée pendant débat. Et journaliste ont demandé Donald Trump est-ce qu'il condamné action suprémaciste blanc, ça veut dire extrême droite blanc et qui c'est blanc qui défend États-Unis, son pays blanc et pas l'autre race, l'autre monde et qui appuie Trump. Et président pas jamais fait ça, pas jamais condamné. Et les ba une réponse qui vague les insister les journalistes insister dit bon OK qui soit voulez me dire voulez parler de propre boys yo et bien moi dit yo fait back et puis rete prêt et donc n'a pas besoin de gens au content yo getan écrit ça sur site internet yo groupe suprémaciste blanc ça dit que son honneur pour yo que yo fait mention de yo et dans débat que président cité non yo yo prêt yo prêt pour faire qui ça personne monde pas connaît selon New York Times. Et même groupe ça félicite tête sur réseaux sociaux yo d'après avoir président cité non yo yo estimé et c'est d'accord avec yo tacitement à tactique violence que yo mené dans pays États-Unis son groupe qui fort ben dans l'année 2016 non et groupe ça dans zone New York là il fait un pile acte violent chaque fois des manifestations antiracistes qui a fait dans pays États-Unis et pourtant yo nan principal conseiller et président Trump et grand sénateur noir qui gagne dans parti républicain
mandé président Trump pour ta clarifier position sous aspect ça. New York Times a porté un message clair que président doit voyer et un conseiller qui dit te vle dit que pour arrêter toute bagaille. Il y a une porte-parole Maison Blanche qui dit président il y a trois petites petites qui s'est juif yoyer puisque petite fille Ivan Kamari était converti dans judaïsme pour te marier avec Maril, donc il pas capable contre l'autre race, il pas capable contre racisme, mais pas de ça t'a parlé avec hier soir. Li wè ki te doute encore sur question s'il perd l'élection, il pas accepté et côté Biden était clair, lui même s'il gagne l'a content. S'il perdu, depuis tout bulletin au comté, l'a pas accepté que le perdu. Et le fait qu'on est tout lui-même, la présidente, tout peuple américain, pas seulement démocrate, mais tout président républicain. Il a choisi une tactique qui s'est parlé directement à peuple américain. Hein, au lieu de garder Trump, il a gardé directement dans l'écran pour parler avec nous directement. Trop pas jamais nommé non peuple américain dans le débat ça. Certainement, en pile analyse, nous allons pour nous retourner encore sous premier débat. Ça, tous les deux candidats, ils sont en souterrain, ils ont mené bataille, particulièrement dans les derniers six États, côté c'est là, vote d'après joué. Et ils ont plus passé 1 million de monde qui déjà voté par correspondance, et ils prévoient continuer à voter. Et c'est 3% seulement dans Américains qui indécis et qui indépendant, qui pas ni républicain ni démocrate qui a choisi pour connaître qui côté il va voter. Est-ce que Trump rivé convaincu toute analyse autopé d'accord, il dit il pas dit que Biden gagne, mais il dit Trump était un mauvais 4 hier soir. Si dollars continue baisser comme ça, il a obligé fermer factory yo. Dans conférence tibay pour la presse jeudi, ancien sénateur département noir présenté tête tête en cours yon nan moun ki épanier bank yo en bas n'a cité colè population ki t'ap pral marché pran yo donc d'après ça le fait konnen ki t'est sorti pour lever campé et il dit si que pas de gon bac ki fait nan question dollar à goudlan sénateur Moïse et bay fait konnen intimatum parti lan té bay lan pour prix produit première nécessité yo BCA rive nan bout li. Dans ce sens, il demande tout businessman baisser prix produit première nécessité rapido presto. Il cite yon liste produit en coût gaz, matériaux construction, même genre ak dollar yo fait pour yo baisser. Si c'est pas ça, il y a victime n'a cité en bas colère population. Il parti à botte principal banque commerciale yo surtout dans secteur privé parce que gen banque l'état tout que il cité dans occasion ça. Il était tout profité voyons pinga concernant circulaire numéro 114-2A et BRH qui mandait pour bail client transfert yo en good et il mandait pour pas entrer en application. N'attendez sénateur Jean-Charles Moïse dans conférence pour la presse ça je dis à côté Vladimir Maurice Doré était présent pour Radio Kiskeya. Mettre factory, vous avez dit non, mettre factory, vous voulez, c'est comment faire manifestation pour la monde. Vous voyez ça qui commence à passer, je vais venir directement, vous voulez, vous voyez, vous voyez. Tenant non, tenant des ça, vous voulez, vous tenant de tout, économie, ça va y parler pour vous. Vous voyez, pas occupé, mettre factory. Vous voulez mettre nous en face, moi, vous voulez mettre nous en face, ça qu'a fait là. Les abdis, en faveur de la c'est 90 pour vous aider, sinon vous allez évoquer le monde. Bon, mettre factory, quel est l'oublié? C'est un temps pour l'année, pour l'année de 30 pour nous allons évoquer le monde. Et puis j'en dis à dollar monté, dollar monté. C'est ma force de variation de dollar, non? Beaucoup de multinationales au pays, non? Ça veut dire qui ça? Nous devons nous travailler à 30 pour nous. J'en dis à dollar monté, c'est parce que nous devons battre Thierry, battre Farid, notre campagne, et puis nous devons boulevard devant nous. C'est pas qu'à vous, j'en dis, pour nous voir ouvrier à nous parler sous question si dollar va monter, on ne va pas faire pour nous. C'est pas qu'un criminel, nous, oui, pour le facteur. Nous avons des esclaves, nous déguiser, nous faire travailler pour nous. La vie n'a pas jamais amélioré. Je dis, la vie j'ai tiré mon taille. Et puis nous avons parlé dans la radio. Et puis vous voyez tout. Alors de la presse, je parle avec. Est-ce que mettre factory qui paye taxes, est-ce que c'est une variation de dollars qui paye taxes? Non. Ça veut dire que dollar baisse 30 pour 40 gouttes, mettre factory, il y a toujours gagné pour travailler avec. Faut baisser le prix, manger, il est proportionnel
avec baisse taux dollar. Bien, moi, je vais vous montrer. Parce que comment est-ce qu'on va arriver à une banque dans le pays là, avec ce jeu-là? Je parle de nous. Sans même sauver nos amis. Pour venir sauver nous, on est en train de nous mettre 100 dollars. Parce que les gens ne peuvent pas gagner dans le pays à partir de deux mois, j'avais là. Mais l'autre a passé dans le banque. Moi, je vais déverser nous. Nous allons arriver, on compte. C'est ça, on est absorbé. Même quoi, nous allons faire dans le pays, dans le pays, dans le banque, on dit, oh, il y a rien pour. Est-ce que vous êtes là, c'est domaine? Est-ce que là, aux États-Unis, aux Chili, on parle. Il n'y a pas de banque. Des boutons à l'offre plus que dans l'économie. Nous, en politique, par économisme, politique, on vient pas d'économie, nous tient oxygène. Pour messieurs économistes, les dollars arrivés, c'est un gangou, pour pas économie. Si, gardez la demande, on oui. Les autres personnes, pile goût, puis acheter un dollar. Mais je tiens un dollar plus facile. Eh bien, mes amis, oui, gaz dans tout, faut que vous baissez. Gazoline, avec des allants, faut que vous baissez. Mais, pour pas, qu'est-ce qu'il y a ici, on va faire manger la capitale là-dessus. En dehors, on ne va pas faire manger. Mais la capitale là-dessus, tout, c'est gaz pour pas. Et puis, on l'a baissé, gazoline va baisser, diesel va baisser, gazoline va baisser. Ça va des peuples, et ça fait nous payons pinga, comme nous devons 15 jours pour pouvoir dire baisser. Or, nous découvrons que des balais qui font baisser, mais quand plus balais qui vont baisser, nous te disons, pour plus balais qui baisser, d'abord nous te baillons, nous te jouons de balais là, c'est fini. Demain matin, nous avons mon circulaire, 114-2 qui va sortir. Circulaire, 114-2 qui m'a dit. C'est un coup que nous ne pouvons pas être égarés. Au contraire, ma parole est beaucoup mieux, oui. Là, on va mourir au bout, seulement dans le transfert. Eh bien, pas de guerre ou raté dollars artificiels. Les gens disent là, je vais passer à l'autre côté. Mon casse-moi, il faut qu'on fasse business. Pas de guerre, augmentation, inflation. Parce que pas de dollars pour nous acheter. Pas de raté produit, il faut pas mourir au bout en américain. Voilà, c'est sénateur Moïse dans la conférence pour la presse. Et leader parti politique Petite Dessalines, toujours dans conférence pour la presse, ancien candidat à la présidence, voulait jeter conseil électoral provisoire Jovenel Moïse dans la poubelle. D'après ça, il dit, et il fait connaître, c'est parce que Jovenel Moïse était prêt à faire intervention Nations Unies, qui fait courir, former conseil électoral tête en balle là, pour te carrer l'île, tout ça le mais sauf un conseil électoral. Dirigeant politique là, il n'a pas exigé libération, ancien député Arnel Bélizère, à tout un militant politique qui ferme en prison, tant qu'il Kilik Joannel avec Job. Sans pas citer nos personnes, Jean-Charles Moïse fait connaître quelques médias dans le pays, n'a pas cité qui en bas contrôle la bourgeoisie. N'attendez dirigeant et parti politique Petite Dessalines non, ancien candidat à la présidence non, sénateur Jean-Charles Moïse toujours dans conférence pour la presse côté Vladimir Maurice Ridoé était présent pour être Kiskeya. Pour la CP, nous formons, nous l'avons la poubelle. Nous l'avons la poubelle. Pareil ça, pas de la porte d'Abéliens. Si on persiste, nous Petite Dessalines, nous continuons à la fête. Oui, nous continuons. En même temps, nous venons demander tout, libération, Joannel, Jean, Niki. Donc c'est José Mérilière. Camarade nous un gouvernement persécuté et nous-mêmes nous parlons de solidarité nous, camarade José Mérilière, pour nous combattre que ce mandat que nous devons mettre. Et en contre, encore, non seulement nous condamnons ça à faire José Mérilière, même nous parlons de solidarité nous avec camarade nous, José Mérilière. Voilà, conférence pour la presse, dirigeant et organisation politique Petite Dessalines, sénateur Jean-Charles Moïse. Conférence pour la presse, Vladimir Maurice Ridoré était couvert pour Radio Kiskeya. Et puis hier, c'est pratiquement journée, il a passé dans le local ILCC, quand il était en confrontation entre homme d'affaires Réginald Boulos, mais dirigeant politique, même Jean-Tou, a curé la torture, homme d'affaires, dirigeant politique, et son dossier Lona, et côté ancien premier ministre Jean-Henri Seyant est présent, puisque le dossier A, c'est dans le cabinet en tant que notaire, il était enregistré. Unité lutte contre corruption ULCC, et tendait en même temps deux hommes d'affaires, deux dirigeants politiques, Réginald Boulos, et accord leader AAA, Yuri La Tortue, et c'est MTV pour Réginald Boulos.
et puis ancien premier ministre Jean-Henri Séan dans cadre enquête li dit l'ap menen sous qui j'ai été servi avec l'argent l'on a été prêté pour une série de projets et après audition qui t'est duré pendant toute journée hier et sénateur Yuri La Tortue avec docteur Reginald Boulos t'est réagi dans micro journaliste qui était présent parmi Radio Kiskeya et yo fait connait et séance nan t'est bien passé yo déclaré by enquêteur tout ça était connait toute information dans ça qui concernait à la tête AAA sénateur Yuri La Tortue fait connait responsable ULCC yo pas jeune aucune contradiction dans version lité bay dans première audition et dans et qui était faite par rapport à ça le fait hier 29 septembre. Bon côté parle homme d'affaires Reginald Boulos qualifié dossier ça de un dossier qui mouri même avant yo té monté et président mouvement troisième voie MTV Haïti dit cependant il était quoi ILCC pap gen pou rele encore alors pour lui même son dossier qui fini donc n'a coûté une après l'autre leader AAA Yuri La Tortue ak leader MTVA Reginald Boulos et tout d'abord de parler comme ça dans micro Hervé Noël. Et nous répondre exactement j'en ai dit moi pense que dis monsieur le pour nous je dis monsieur le pour nous ça vient continue je vais pas tout ça monsieur Contrairement à ça, étape d'IA, nous avons toute information était besoin. Nous avons son dossier mort en délié. Il n'y a pas rien là-dedans. Vrai dossier, vous pouvez jamais vraiment rien. Mais dossier, on a mat, on a fama. C'est une des plus belles dossiers. C'est une des plus belles programmes. Et on a jamais fait. Et moi, je félicite M. ULCCO, mais je vais pêcher mauvais côté. Nous, ouais, que c'est un personnage. Yuri, comme elle est là, donc, sur ce point-là, Yuri, nous, belles, comme elle est là, pas pour y appeler nous encore. Merci beaucoup. Voilà, donc, il y a une difficulté pour t'exprimer. C'était hier soir, il était sorti. Après, depuis grand bonheur dans la journée, il était entré dans le bureau ULCCA qui dit la mener en enquête. Toujours. Et concernant l'État, et fois ça, c'est directrice de loterie de l'État haïtien, j'aime de promettre tout, qui paraît un communiqué, ça ne pas de guetant hier, un communiqué qui chita sous interdiction formelle, et pour moun qui n'a pas l'étude, pas fait ça au pipito, dans ça qui concernait protocole pour yo payer moun qui gagnait n'a pas l'étude. Alors, ce message dit, dans le cadre d'une rencontre qui était faite dimanche 27 septembre 2020 dans l'hôtel El Rancho, avec opérateur Jeux Azario, particulièrement tenancier Boletio, il était insisté en pile et pendant le débat, ça, qui était venu en après-rencontre, sous situation, banque Bolet qui n'a pas respecté ça, les protocoles qui ont pour payer l'eau et moun qui achetait Bolet gagné. Et le dit protocole ça selon notre loi et qui en application et selon la loi dans secteur cité a parlé de les monde gagné c'est 50 20 10 que pas respecté dans bolet là pourquoi dit là donc tenancier bolet c'est notre là qui a parlé qui levé campé contre mauvais pratique ça pas caché menace et pour yo ta ouais yo perdu business yo si que ça continue et au fait connaître son situation qui pénalisait ti banque yo et qui est en faveur gros banque bolet yo qui au même gain gros moyen l'argent financier pour yo capable faire genre de pratique ça yo qui semblait tête coupée à concurrence malsain et à déloyal. Direction générale loterie d'État haïtien qui a parlé toujours rappeler tout tenancier bolet yo protocole qui j'en pour payer monde qui gagne loyo. C'est une loi qui était fixée.
et pour yo mettre en application mais qui j'en pour payer moun qui gagne 50 goud pour premier lot 20 goud pour deuxième lot et 10 goud pour troisième lot tout l'autre protocole pas respecté ça que loi dit gens que nous sont mentionné là et bien depuis on fait ça yo considéré li nul li pa gen anken valeur et le truc d'état haïtien interdit formellement autorité qui là pour réguler secteur bolette d'état loterie de l'état haïtien en plus de sa direction générale loterie de l'état haïtien dit li quoi occasion présentée pour attirer attention tout monde qui n'a activité bolette ça les tenanciers et pour personne monde pas venir prendre prétexte pour dire pas de connait ou pas au courant nous toujours appelé notre nom que enquête yo réalisé Gafi qui c'est une branche Banque mondiale et groupe action financière réorganisé organisé international qui est chargé pour goumen contre blanchiment l'argent fait qu'on a un système jouet hasard et tant que bolette représenté un passage un canal et côté des possibilités yo capable blanchir l'argent sale la donne donc un gouvernement d'après sa note l'a dit et prend engagement devant Gafi pour le goumen de façon efficace contre un phénomène blanchiment l'argent ça avec un financement terroriste qui représentait un fléau mondial qui menaçait stabilité système financier international là nous toujours appelé notre loterie de l'état haïtien en plus de ça li bon tour et pour nous rappeler chaque monde que Haïti signe une série de conventions internationales et li gagne tout plusieurs instruments juridiques nan men légal dans ça qui concernait bataille contre un phénomène nous autres cité là blanchiment l'argent activité terroriste et li rappeler loi 21 février 2001 sous blanchiment l'argent et trafic illicite drogue et puis gagne tout loi qui sanctionnait activité blanchiment l'argent capital avec un financement terroriste que chambre députée a été voté dans date 9 septembre 2013 et qui était voté dans Sénat dans date 11 septembre même année et qui publié dans journal officiel le moniteur dans date 14 novembre 2013. Une fois fin dit tout ça, direction générale là mandé l'autre d'état haïtien tenancier qui concerné l'activité bolette là mettre un point final sans perdre du temps dans comportement yo qui pas respecté protocole et qui la loi tablian mettez un point final dans protocole les payer mon yo bolette là 60-20-10 ans et qui c'est une stratégie yo concevoir pour ca éliminer toute l'autre petite banque et qui semblait tout à blanchiment l'argent c'est notre là qui a parlé LEH dit c'est lui même seul et c'est seule instance l'état qui capable dit nous capable faire ça nous pas capable faire ça qui donc qui capable déroger dans question qui gens pour payer moun qui gagne dans bolette yo et loi sous blanchiment dit faire obligation pour tout monde respecter et quitte c'est monde physique ou bien moral là-dedans employé qui identifier client potentiel dans sens ça pour communiquer ou bien transmettre by ICREF à travers communication internet électronique ou bien par tout l'autre moyen écrit déclaration qui ta gain doute sou yo et que yo ta recevoir dans fonction yo qui gain à revoir blanchiment l'argent à partir de date ça communiqué à sorti et si gain persistance dans mauvais pratique yo l'autre de l'état haïtien dit la nan obligation pour traîner et tenancier récalcitrant yo devant juridiction gain compétence pour ça li espérer tout monde qui dans activité bolette non communiquer ça concerné yo et démarche non y a comprendre ni et nécessité pour conformer yo à toute injonction qui gain dans communiquer ça direction générale la réaffirmer volonté pour le travail d'après ça dit pour la vie meilleure promotion et épanouissement secteur et profiter occasion pour renouveler chaque bon considération pour c'est madame Marie Margaret Fortuné directrice générale loterie de l'état haïtien ben question c'est pour connaître est-ce que l'état haïtien c'est un modèle de vertu dans façon et n'a regardé toute bagaille a fait qui c'est directement dans l'état qui c'est allié pouvoir il a parlé de bolette par exemple l'autre point dans actualité a gagné n'a prêté dans l'état toujours c'est ingénieur Nader Joasius certainement qui content parce que ce dossier ça qui fait le débarquer et dans dernier débarquement te fait dans la cour supérieure des comptes semaine passée
qui fait un pile bruit et qui fait que il y a une véritable campagne contre le président de la Cour supérieure des comptes, M. Boisguéné, et ministre en travaux publics, en transport et communication, ingénieur Joasse Isnader, confirmé la Cour des comptes, bah, un avis favorable pour contrat qui liait l'État haïtien à la grosse compagnie générale électrique américaine et pour construire dans la commune Carrefour une centrale électrique qui a fait à la fois diesel et puis gaz naturel. Dans l'interview de la radio Kiskeya, dans le bureau, li, et à la tête ministère qui fait parler de lui en pile dans le temps, a annoncé déjà mandé responsable EDH prendre disposition pour écrire compagnie américaine pour autoriser pour commencer pour commencer débloquer l'argent pour matériel le capable rentrer dans le pays. Faut que nous dit gouvernement Jovenel Moïse a présenté projet ça comme plus gros projet qui pourrait mettre lumière dans toute 27 750 km², alors que 4 milliards de dollars l'agent Petro-Caribe a pas trouvé faire ça, mais fait qu'on est environ 70 millions de dollars et moins que ça capable faire. Donc ingénieur Joasse Isnader préciser chantier ça a duré environ 50 semaines pour faire centrale électrique ça qui a une capacité 55.5 mégawatts qui a coûté 57 millions de dollars américains. N'a pas tendu qu'il te parle comme ça dans micro Hervé Noël. Recommandation yo te fait non corrigé yo accepté yo et que yo estimé que toute correction apportée et que yo approuvé contrat qui permet non à la population centrale ça qui va l'ajouter 55.5 mégawatts dans production. Donc chaque fois nous composons ensemble quoi peuple a content, tout le monde a content et après contrat ça qui a approuvé les fêtes à la satisfaction de tout le monde, des travaux publics, des EDH, de la présidence, de la primature, de la Cour supérieure des comptes, de la presse tout. Puisque la presse a souffert parfois, ce groupe électrogène, il est obligé de passer pour être capable de faire une nouvelle langue. Il y a boule en pile et diesel pour bien gasoline, pour parfois pour grand merci. Et si on vient de commencer avec un meilleur marché, on peut être à la satisfaction de tout le monde. Qui est ouvert, je vais commencer exactement. Prochaine étape qui va la faire. Prochaine étape, là, depuis hier, côté approbation, nous écrit EDH, nous dire que le contrat approuvé pour prendre des mesures administratives pour l'écrit et PIM constructeur là, et pour faire demande d'avance de démarrage. Donc, c'est sûr, d'ici jeudi, on l'a ça fait dans EDH. EDH a écrit et puis eux-mêmes, ils ont facturé pour payer, pour commencer à entrer en matériel, pour commencer à construire et centrale ça. Et ça, ça a duré 50 semaines. Et demi. Et donc, qu'on a une année, il y a 52 semaines, c'est moins qu'une année. Mais avec la rapidité à laquelle on a travaillé, on a d'ici, dans 20 semaines, on a commencé à sentir et travailler, à avancer et on a prêt pour le courant. Et pas oublier tout, raison, il faut non réhabiliter raison, c'est dans le cadre et contrat et Taïwan, et 57 millions, le travail ça a commencé déjà. Lancement est fait dernièrement, là, et soir et tout maintenant, on a travaillé sur la fête et dès que avant de démarrer ça prend tant que pas qu'il avant de démarrer dans la main yo m'pa ka bay date exacte que y a commencé faut yo gien avant de démarrer d'ici au bail li chèque la sortie m'a informé la presse yo sorti et matériel yo a commencé rentrer dans pays pour y aller commencer central ça. Oui, en termes de conséquences dans question distribution pour qui ça projet ça caboté. Pas oublier nous gien sur le marché jeudi à 70 mégawatts qui nous fournit. Et sinon, bah, 50 MW, ça, Libral fait non, et 121 et la donne, 121 MW, et 70 plus 50, 55. Et puis, nous prenons 36 MW qui ont sorti Pélig. Ça permet non, bah, mon yo, aux environ de 10 à 12 heures de courant chaque jour. Tout le monde va jouer un courant chaque jour. Voilà, c'est ministre à vos publics là, bien que nous connaissons pour une population taille pays d'Haïti. Pour valer énergie, il y a besoin de consommer parce que Haïtien vit l'énergie, va courir tout l'autre peuple. Bon, c'est pas un bon bagay. Et ben, c'est un giga, il va parler en méga encore. Et nous songez, il y a un dossier qui t'est fait, ministre, t'es parti à botte la Cour supérieure des comptes et surtout contre le président, M. Boisguéné, ensemble avec le président, dans la rencontre communautaire, il t'est fait dans le palais national là, ça t'a provoqué coup.
la Cour des comptes tout qui t'a pral répondre et montrer que c'est incompétence qui gagne dans gouvernement qui fait dossier yo pas jamais ka passer et puis t'a bay menti tout de dossier pour qu'on voyer et puis t'a fait campagne pour discréditer la Cour ça on connaît qui dans collimateur pouvoir parce que il gagne rapport Petro-Caribéa entre autres que le travail sous lui et qui régime dans concerné. Alors c'était il dit que si la Cour supérieure des comptes et pas de bloquer d'après sa ministre t'a dit dat ça il était parlé donc kawash c'est comme ça peuple rede ça rede viaduc puisque yo te dit nous c'était un merveille qui t'avait gagné dans kafwa yo pour et puis nous on bagaille qui pas mené en ken côté mais coûter plusieurs millions de dollars. Alors il a dit ça il va le faire dans Gérald Bataille là laisse à Port-au-Prince toi couvrir bas de l'eau fatra tout ça Port-au-Prince ta belle c'est ça ministre Nader t'a déclaré. Et alors sous projet construction viaduc ça dans kafou Gérald Bataille là et gouvernement t'est accusé la Cour des comptes d'après avoir été bloqué contrat ça que la Cour des comptes t'est rejeté vigoureusement non document et bien qui était bien documenté que il t'est metté dehors t'est porté signature président monsieur Rogaville Boisguené ministre travaux publics là ingénieur Nader qui t'est suggéré président et pour te prendre un décret pour redéfinir rôle la Cour supérieure des comptes tant que constitution déjà tracé déclarer contrat ça était corrigé y a ton avis la Cour supérieure des comptes qu'on est là li regrette procédure pour élaborer contrat et puis pour temps mettre travail construction une infrastructure et trop long nan, et ça prend trop temps au niveau l'état bon besoin raccourci nous songe la mode te poser question ça déjà et il était réduit question et pour faire appel d'offre peut-être l'état te trop te prend trop temps à la tête ministère travaux publics là qui pas en mesure préciser qui quantité l'argent construction viaduc ça pral coûter l'état haïtien déclarer infrastructure ça n'a cité à permettre blocus diminuer dans zone Gérald Bataille. Donc est-ce que c'est meilleur côté pour mettre viaduc là est-ce que pas d'autre côté plus stratégique pour ta ka gain impact réel sur circulation dans Port-au-Prince bon c'est spécialiste dans question circulation qui pour ta dit ça bon mais nous ouais ça yo fait dans kafou aéroport il était cab gain sens s'il te mené au monde directement dans aéroport et n'a coûté ingénieur Jean-Céline Snyder qui te parle comme ça dans le micro RV9. Il était retourné dans le ministère là pour correction, non pour des corrections, yo, non voyé et retourné dans CNMP, Commission nationale marché public. Il y a un dernier papier pendant à faire cours ça, il y a un papier qui fini, gain soit qui tue ou patente là qui fini, qu'on y a demandé pour corriger, c'est ça procédure très très longue et qui fait parfois ou ka di on ministre menteur ou ka di on président menteur mais c'est procédure yo que me tout monde connaît yo et la presse connaît yo population connaît yo c'est pour un bagage coblan là parce que on doit le faire pour population connaît ou comment c'est fait si c'est pour moi me pas de gain pour me préparer contrat pour te joindre approbation et blocus ça yo et bouchon ça yo dans Gérald Bataille là pas de gain encore dénivelé à table grande presque fini et puis dans ta bay monde passer sans problème mais et la loi exige non faut nous faire un dossier d'appel d'offres faut nous brûler dans CNMP faut CNMP d'accord avec elle pour CNMP brûler dans pour suivre des comptes pour suivre des comptes passer sous son lotte crib l'elfin d'accord avec elle s'il gagne des recommandations de pelle livrer le tourner bah non c'est ça qui est arrivé là pour et passage dénivelé dans Gérald Bataille non corriger non voyer dans pour suivre des comptes pendant la brigade il gagne papier et entrepreneur là construit le film de construction qui finit pour nous corriger pour nous envoyer le balai lui-même pour le dans et considérer des comptes encore pour y approuver pour nous et libérer pour nous faire passer ça donc c'est une série de problèmes comme ça et procédure qui long et qui fait les plus souvent mon n'a pas le deviner pour te dire on va aller pas faire non faut aller dans cuisine yo pour nous connaître réalité pour nous la membre la presse connait population connait tout monde qui vit dans pays qu'on est qui l'ensemble des procédures qui je dis qui yo exige non pour nous faire avant donc commencer un grand projet ou bail des contrats avec des firmes privées pour gérer la patération passerelle qui ça viaduc on te convient sur un viaduc c'est-à-dire au monde qui a sorti d'Elma 33 pas besoin d'arrêter même genre même dans même dynamique avec Kafounazon monde un peu mon a passé en bas un peu mon a passé en l'air. Combien pour j'ai ça coûté? Oh, m'bagaine dans tête moi là et passage dénivelé m'bagaine dans tête moi là malheureusement prochainement m'ka informer et radio télé qu'est-ce qu'il y a combien comme l'a coûté?
Voilà, c'est ministre Travaux publics là, ingénieur Joasseïs Nader, dans micro Hervé Noël. N'a pas retourné dans l'élection américaine, débat qui était fait hier soir avec analyse. Un jour après le premier débat, en deux candidats, Joe Biden et avec Donald Trump, Mark Landy, qui est professeur dans Boston College, qui t'a répondu dans le journal français Le Point. Il parlait de danger qui planait sous la démocratie américaine. Non? Dans interview ça après environ deux heures de temps jouré et côté youn a empêché l'autre parler accusation toute qualité en Donald Trump avec Joe Biden et est-ce que finalement tout le monde qui t'a gagné espoir particulièrement éditorialiste et tout média américain yo semblé yo prend coup hier soir d'après ça journal l'a posé comme question. Mais yo prévoit et yo dit c'était un débat qui était long mais qui était méchant qui était fait hier soir et principal perdant c'est démocratie américaine. La presse américaine désolé de vieux spectacle ça. Professeur Mark Landy, professeur émérite dans Boston College dans état Massachusetts qui écrit un livre co-auteur un livre Presidential Greatness analyser conséquences élection ça sous démocratie américaine qui a fait face à doute. Jeudi à concernant la situation a évolué depuis trop privé sous pouvoir dans l'ivoire ou analyser style président 5 ans plus grand président américain sorti George Washington passé par Franklin Delano Roosevelt et puis élection Donald Trump là qui c'est un coupé fâché une véritable rupture dans ça qui concerne la démocratie américaine là. Est-ce que la démocratie américaine là capable retourner jouer une grande duel. Ces questions ça est posé et professeur Mark Landy dit oui ou gen raison gen un bagage qui cassé avec élection Donald Trump dans mois novembre 2016 dans tête pays gen un bagage qui gen awe ak yon long et une tradition très importante qui t'établi dans question présidentielle américaine nan que le cassé le président qui la journée jodi a li pa parlé ak peuple américain correctement li bay des informations qui s'est menti. Et li exagérer tout bagay. Et li toujours essayer tout temps pour la tester limite propre pouvoir. Et pouvoir li gagner dans bureau oval là. Biden, probablement, s'il t'a élu, a gagné une vision qui plus sobre comme président dans exercice mandat. Mais question c'est qu'on est-ce que la privé restaurer l'esprit constitution américaine? Non, ça me pas qu'on est, d'après sa professeur a déclaré. Deuxième question, bataille dans bataille, c'est nomination un nouveau juge dans la Cour suprême. Qui sont pensé de ça? Il dit c'est une dans bagaille qui plus terrible dans débat qu'elle est là dans moment dans pays États-Unis d'après sa professeur Landy et fait connaître. Il dit nomination Donald Trump qui nomme un nouveau juge conservateur, c'est journal la cajoutel et c'est une qui c'est et la Cour suprême non, qui c'est pilier dans système institutionnel américain. Dans le cadre de la démocratie américaine et pour remplacer une icône et Ruth Bader Ginsburg et bien qui sont juges progressistes sont véritable débat dans la société américaine non mais démocrates yo même yo menacé pour nommer nouveau juge si yo élu dans la Cour suprême non si yo remporté la victoire 3 novembre d'après ça yo fait connaître et tout pet de court et dans idée pour yo capable redistribuer équilibre dans force qui gagne dans juridiction ça qui tellement important dans pays États-Unis c'est déjà une violation dans esprit constitution si ça fait alors que bon côté parle Trump tout l'elle courir nommer un juge et pour forcer congrès à voter alors que nous dans élection c'est jour cap compter et puis démocrate yo proposer un bagage que nous pas jamais vu constitutionnel dans tous les deux cas moi dois dire c'est une faute vis-à-vis équilibre institutionnel. Le point qui toujours continue à poser professeur à question dit Trump est-ce qu'elle pas déjà gagné la guerre dans moment l'arrivée nommer deux juges et bientôt la gagne trois juges à vie qui a siégé dans la Cour suprême non il prend quitter un héritage qui prend aller au-delà de lui-même l'elle fini mandat. Moi penser que ça l'a quitté comme héritage principal là c'est d'après avoir libéral changé perturbé considérablement ça relève d'essence dans politique et c'est ça qui héritage principal et trop pour démocratie américaine selon professeur est-ce que ça va passer tout
à travers nomination dans la Cour suprême non comme m'était déjà dit démocrate capable choisir pour contourner obstacle ça là on va multiplier nomination l'autre juge progressiste qui pral baon l'autre équilibre mais ça tout li pral régler yon problème dans question juridiction unique conservatrice non mais pour ça donc c'est pour raison ça il dit Trump a joué le tout pour le tout là pour pas perdre l'élection parce que Trump t'a remis pour rester dans pouvoir et donc il faut nous distinguer d'après ça il dit entre bocal là à ça qui en dedans entre contenant à ça contenu et empathie émotion et c'est autant de qualité et en politique que dit Joe Biden comme candidat gagné par rapport à Donald Trump qui lui-même frette à tout le monde arbitraire gros poète et bien que américain yo élu et dans dernière élection yo mais est-ce que nous pensons que si c'est à Biden qui t'a passé est-ce que style présidence qui pral gagné pour mettre en application est-ce que son présidence qui a plus paternaliste qui a plus consensus plus consensuel professeur répondre c'est un bon aspect qui gagne kay Joe Biden li semblé li c'est un moun bon moun li semblé son moun qui sensible un moun qui élégant da ka di un gentleman et si vous voulez mais vraie question est-ce que l'a assez fort comme président professeur a parlé moi pense que moun yo aux États-Unis yo toujours espéré pour président gain force yo toujours espéré moun ki chita nan maison blanche tan fòk son moun ki fort par rapport à toute difficulté surtout dans temps que n'a vive là l'a gain pour faire face gain espoir ça dans électorat américain que président c'est un homme fort un monde solide et trop paraître comme un monde qui fort mais il pas montré une réelle habileté il manquait habileté manquait l'adresse dans gestion congrès par exemple dans capacité pour faire adopter toute une série de réformes et qui savait comme bail comme impact monsieur pas gagné une aura politique extraordinaire parce que leur président faut que c'est tout bagaille ça yo c'est nuance ça yo c'est tactique ça yo c'est l'adresse ça yo qui porte toute dimension ça et lui présenter comme un monde qui fort même pas certain que ça arrive traduit en action et est-ce que le montrer assez fort pour capable mobiliser administration par exemple contre virus non donc dit pas quoi il dit faut que nous distinguer entre produit qui est dedans bocal là ak jan yo emballé entre l'emballage et le contenu et puis est-ce que après élection ça capable bien gros contestation tout de camp yo et si son élection serrée qui jan prévoit possibilité si Trump ta remporté avec une première voix qui jan situation pour le passer c'est très difficile pour nous prévoir parce que si score serré si close to close quoi journaliste américain aurait dit et bien Trump probablement il va contester résultat yo et surtout résultat vote par correspondance là mais c'est date ça tout c'est tribunal lui qui va statuer mais c'est pas la première fois nous pral devant situation comme ça sans précédent juridique pas dire ça avant bien que tu gagne problème élection Bush et qui était fini était mais c'était dans un état en Floride il dit personne monde pas connaît réellement et qui résultat ça pral bail yo pral essayer pour contester vote devant chaque état yo devant chaque tribunal dans chaque état yo et peut-être même devant la Cour suprême de toute évidence c'est si que gon solide majorité conservatrice et qui a appuyé certainement qu'a appuyé Trump a nécessaire si gagne litige pourvu que li ka gagne une bonne valeur conservatrice qu'a appuyé mais faut que monsieur vraiment prouver que li gagne et que sorti pour voler élection nan men dans ça l'a gagné conservateur DL et faut qu'il capable prouver d'après ça le fait qu'on est de toute évidence s'il pote tout appui dans cas de litige de prouver que plainte bien c'est pas en parole d'opi enflé mais gain fondement parce que il rappelé gain 20 ans l'an 2000 et contestation Bush avec Gore là il était fini par une victoire Bush mais fois ça démocrate yo y a pi méchant yo pas aussi gentil que gens ça s'est passé gain 20 ans d'après ça dit qui ça qu'a privé si la Cour suprême n'a entré dans dossier eh bien nous pas dans niveau ça nous pas jamais moins ça concernant crise généralisée ça capable gain dans toute élection est-ce que l'armée pour soutenir démocrate
eh bien, et moi-même, ça ti doit prendre, si trompe, pas gagner de cas, fraude clé que le capable prouver, s'il pas qu'à montrer de bulletin truqué, et que le joigne, que le capable prouver ça, la très difficile pour le capable faire que il accepte le rester dans Maison Blanche. C'est ça, professeur a déclaré. Et puis, il parle tout, qui sont pensés, qui principal enjeu élection ça. Il dit, mon cher, c'est gardez-moi conseil de valeur qui perdu. Nous sommes capables de dire, bah, il y a les civilités, dans le débat, ça pas existé. Et donc, moi, quoi, nous perdu sur plan ça. Et un quoi, tout, il ouvre une période, dans ça qui concerne le processus démocratique, là, qui est préoccupant. Principal enjeu élection ça, c'est restaurer confiance peuple américain, dans la force constitutionnelle. Voilà, c'est une interview analyse et sous débat hier soir avec perspective élection américaine dans le journal français Le Point, c'est un hebdomadaire et c'est professeur Mark Landy, professeur dans Boston College qui bail journal là interview ça.